Donc je suis en train de tout doucement terminer en fait l'ouvrage Amour pragmatique. On est en 2017-2018. À cette époque-là, bon, je ne vais pas trop parler de ça, mais le laboratoire d'anthropologie est depuis longtemps sur orbite. Hein, il va tout doucement aller vers les 15 ans. On va fêter le 20e anniversaire dans un an, en fait, à peu près. Ça fait une 50, 60 personnes. On est 4, bientôt 5 dans le laboratoire. Ça devient une équipe sur laquelle je peux totalement me reposer. Donc, à partir de ce moment, je suis infiniment plus apaisé. Je n'ai plus ce rôle de quasiment d'unique moteur. Les jeunes sont devenus des profs totalement, comment on pourrait dire ça, compétents avec de multiples terrains, etc. Et prennent vraiment la relève d'une équipe qui tourne et qui enseigne l'anthropologie à Louvain. Et donc, je peux quasiment je dirais, commencer à me détendre face à cette stabilité d'une discipline dans mon université. Et là, je pense que c'est dû à de multiples personnalités fortes qui nous ont rejoints dans ce laboratoire d'anthropologie et qui n'a sûrement pas en fait un paradigme unique. Ce qu'on a voulu faire, c'est de boulotter ensemble avec un plaisir de travailler ensemble, mais chacun vient et discute en fait ses manières de faire l'anthropologie et ses terrains forcément différents. Et ça, c'est un plaisir énorme d'échanger en fonction de nos histoires et de nos histoires théoriques aussi, qui est absolument important. Et donc, quand tout doucement je commence à me dire que je vais déposer Amour pragmatique. Lâcher un livre, c'est aussi lâcher une sorte de désir et de passion. Hein. Et donc à un moment donné, il faut lâcher, se dire qu'on va laisser aller le livre, c'est-à-dire l'éditer, et puis tu peux plus le relire une fois encore, quoi. Hein. Et donc c'est quelque chose qui pour moi a été une hésitation. J'aurais voulu le rendre encore plus schématique, plus simple, mais en même temps, c'est aussi une monographie. Il n'y en a pas tellement, en fait, et quasiment pas en langue française. Et donc, je me disais, c'est aussi une rentrée en matière dans une société lusophone peu connue en langue française. Et donc, je me dis, il y a beaucoup de choses en dehors de la parenté que je crois que j'ai bien fait de contextualiser pour introduire dans cette société, je dirais, très singulière. Hein. Parce que c'est une société créole, certes, mais c'est une société créole qui s'est construite à 600-700 km des côtes africaines. C'est une société où très vite, en fait, les métis jouent un rôle très important dans la traite esclavagiste eux-mêmes. Donc ils deviennent les intermédiaires, en fait, de la traite. Et donc, les métis capverdiens, qui sont majoritaires en fait dans la société capverdienne, sont impliqués dans la construction de cette société esclavagiste. Et donc, on n'est pas du tout dans la construction d'une pensée de la créolité telle que construite par les grands écrivains de la créolité des Antilles, en fait. C'est pas le même monde, en fait. Et donc, je crois que ça méritait en fait de rentrer en dialogue avec cette singularité et complexité capverdienne. Et j'ai essayé par ce livre, d'apporter une contribution à ce travail. Comment introduire ça si ce n'est pas que progressivement, si on veut, je commence à cumuler en fait pas mal d'années de métier, plus que progressivement. Je suis maintenant à peu près à l'aube de mes 60 ans. Et c'est la première fois que j'ai envie de revenir en fait, en partie sur mon parcours. Je n'ai jamais eu aucun désir de ce type-là auparavant. Et en fait, ce désir me vient suite à un problème familial que nous avons eu. Ma femme a eu un problème de santé important. On a collaboré ensemble énormément dans une vie bien remplie. Elle est chercheuse aussi.
elle a fait une thèse en psychologie finalement, elle a enseigné, elle a créé un centre dans l'unité couple en psychologie psychiatrie à Louvain. Et puis elle va avoir un problème de santé énorme où elle doit tout arrêter pendant un moment. Ça va faire en sorte que je vais réfléchir à mon implication multiple dans toutes ces missions, ce travail, etc. Et nous réfléchissons comme nous pouvons à deux à ce moment-là, parce que elle est dans les grandes difficultés à pouvoir elle-même énoncer. Donc je me rends plus disponible auprès d'elle pour pouvoir la soutenir dans ce moment difficile. Et ce qui va se passer, c'est que quelques années après, elle va se remettre dans l'écriture d'un roman. Elle a écrit plusieurs romans, dans l'écriture d'un roman où elle reprend de manière multiple, en fait, des expériences qu'elle a vécues. Et dans ce moment, en fait, d'écriture où elle revient elle-même sur une partie de son propre parcours, mais c'est de manière totalement romanesque, elle ne parle absolument pas d'elle-même ni de nous, ça n'a pas un rapport direct. Ça me pousse à réfléchir, en fait, pour la première fois à mon métier d'anthropologue, ce que je n'avais quasiment jamais fait. Et j'avais lu pas mal en épistémologie. Mike Singleton a arrêté sa carrière. Enfin, il est émérite depuis pas mal d'années à l'époque où je parle. Mike a 80 ans aujourd'hui, donc ça fait 15 ans qu'il est émérite. Ça fait 15 ans aussi où finalement mon aîné est parti et d'où j'ai dû prendre mes responsabilités dans le pilotage de l'enseignement de l'anthropologie à Louvain, finalement à son départ. Je reviens en fait sur ces lectures épistémologiques que j'ai cumulées en prenant des notes à gauche et à droite. Et lorsque Daniel écrit ce roman, je lui laisse la latitude, mais ça veut dire que l'été aussi, c'est l'écriture qui va dominer. Et donc je me retrouve avec un terrain que j'ai partiellement en fait raconté, clôturé, ce terrain au Cap-Vert. J'ai beaucoup, beaucoup de notes, beaucoup plus, mais je ne me sens pas l'énergie, en fait, de rentrer dans un 5, 6e ou 7e monographie. C'est beaucoup. La fatigue intellectuelle est gigantesque parce qu'on y met énormément d'énergie. Et je me dis, pourquoi pas revenir sur des questions qu'on me pose fréquemment, en fait. C'est quoi ton métier? Et pas mal de jeunes me posent les questions, alors là, vraiment dans le métier d'enseignant, en me disant, mais comment on pratique en fait ce métier, de revenir sur l'amont en fait de la pratique. Pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que je ne me suis jamais trop posé de questions de comment je pratique l'anthropologie. C'était une évidence que je n'avais pas envie de questionner, si on veut. Et finalement, je vais me mettre à revenir, en fait, à partir de l'expérience du Cap-Vert. C'est dans ces années, je pense que ça va mettre 2 étés, c'est dans ces années où je reviens, en fait, sur mon expérience au Burkina Faso, où, pendant presque 20 ans de travail au Burkina Faso, je ne prends aucune note concernant ma position, l'épistémologie, rien. C'est quelque chose qui est vraiment comment on appelle ça, un point aveugle de mon expérience au Burkina Faso. Et plus âgé, lorsque j'ai 47 ans, lors de mon premier voyage au Cap-Vert, alors là c'est très différent. J'ai un bagage épistémologique, j'ai lu pas mal en philo, etc. Et donc je prends note et je prends conscience de la complexité du métier d'anthropologue, ce que je n'avais pas au Cap-Vert, pardon, au Burkina Faso. Et donc, je vais tout doucement esquisser la possibilité, en fait, de revenir, en fait, sur ce qu'est la démarche ethnographique, en m'étant confronté, en fait, à la difficulté que j'ai eue au Cap-Vert. Et donc, au début de mes cours d'épistémologie, que j'enseigne depuis pas mal d'années à Louvain, je donne plutôt un cours, en fait, de méthodologie, donc de trucs, de manière de se débrouiller. Je monte mes cahiers de terrain et j'explique comment, avec beaucoup de pragmatisme aujourd'hui, je construis un cahier de terrain en combinant en fait logiciels. Je ne recopie jamais rien, mais en travaillant de manière extrêmement pragmatique sur le terrain, en relisant mes cahiers directement sur le terrain, en mettant des mots-clés, en mettant ces mots-clés-là sur un logiciel FileMaker,
qui me permet de retrouver même mes premiers cahiers il y a plus de 30 ans d'ici au Cap-Vert, pardon, au Burkina Faso. J'arrive très vite en fait à retrouver, en fait, et où je mets des post-it dans mes cahiers, à retrouver les thématiques par un système d'interrogation de ma base de données qui sont uniquement des mots. Je reconstruis en fait des pistes d'enquête. Et très vite, je retrouve mes cahiers dans mes 20, 30 cahiers sur le Cap-Vert. Enfin, je peux dialoguer avec mes cahiers comme je veux. Et donc, je n'ai aucune angoisse de ne perdre aucune page d'enquête que j'ai menée, par exemple. Et donc, c'est ce que j'expliquais aux étudiants. Je leur explique, en fait, ce rapport que j'ai avec mon terrain, avec mes cahiers, avec l'écriture. Mais c'était de l'ordre de la méthodologie. Puis j'explique l'entrée en écriture, comment je me mets à esquisser, table des matières, etc. Et c'était ça mon cours d'épistémo. Mais en fait, ce n'était pas de l'épistémologie. L'épistémologie, ça ne porte pas là-dessus. Ça porte ce que Mike Singleton m'avait enseigné, en fait, ce que je ne faisais pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, connaître et savoir dans ma discipline et en anthropologie. Et je vais revenir sur une angoisse qui m'a tenaillé pendant longtemps au Cap-Vert. Avec l'expérience que j'ai du Burkina Faso, je mets les deux ensemble en disant, mais à quel moment tu as pu devenir ou tu as estimé que tu pouvais prendre la parole sur le Cap-Vert? Pourquoi et comment? Et c'est ça, cette écriture de l'ouvrage Devenir anthropologue dans le monde d'aujourd'hui est un ouvrage épistémologique. Et je lis pas mal et je découvre qu'une bonne partie des ouvrages, pas tous, hein, loin de là, une bonne partie des ouvrages sont des ouvrages plutôt de méthode, qui explique ce qu'est l'observation participante, comment elle doit être, qui la balise, qui explique un peu les qualités d'un bon ethnologue, la manière dont on devrait prendre note, énoncer, être extrêmement attentif aux jugements de valeur, aux catégories qu'on utilise. Et donc, il y a des ouvrages aussi bien à la fois sur l'observation participante, sur la construction des cahiers de terrain, que sur l'écriture anthropologique ou une critique historique ou une critique, enfin, comme on voit, des différents grands textes en anthropologie par plusieurs personnages importants. Alors, ce qui va me motiver dans ce travail, après avoir ouvert en fait un questionnement, c'est évidemment, enfin évidemment, c'est le questionnement des étudiants, qui constamment me pressionne en disant, mais c'est quoi le basculement? Parce qu'au niveau du laboratoire, on a un terme en fait qu'on utilise beaucoup, qui est le terme basculer en anthropologie. Et on raconte souvent avec une certaine boutade aux étudiants, mais on voit quand vous venez d'un terrain, à vos yeux pétillés, que quelque part vous avez basculé dans le terrain, vous avez basculé, vous êtes devenu anthropologue. Mais de là à nous dire c'est quoi le basculement et produire entre guillemets, une théorie du basculement, c'est encore une autre affaire. C'est là que j'ai voulu boulotter là-dessus, sur cette boutade. C'était Mélanie Chaplier, qui maintenant est professeure je crois, à Montréal, hein, d'anthropologie, qui a fait sa thèse au laboratoire d'anthropologie, qui, la première, avait raconté. Elle a utilisé ce terme en disant, dans une bande, là où elle était, je ne sais plus, chez les CRI, oui, c'est ça, elle avait, à un moment donné, basculé suite à un problème grave. Je crois qu'il y avait eu mort d'homme dans la bande. Et le matin, ou les jours qui suivent, elle avait basculé. Elle a tout relu, tout revu, presque au jour même, tout revu, tout ce qu'elle avait fait. Et toute l'écriture de ses cahiers se sont, comment on appelle ça, se sont ouverts à elle de manière nouvelle, en fait, de manière autre. Elle est rentrée dans la compréhension progressive. Et j'ai voulu comprendre, en fait, cela. Et je suis revenu, en fait, moi-même, je crois que je me suis tu pendant 7-8 ans sur le Cap-Vert. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je me suis tu parce que je ne pensais pas que j'avais du tout le niveau. Et je me suis rappelé de deux moments sur lesquels je suis revenu. Et ces moments, je prendrais vraiment ce terme, on pourrait dire, du moment ethnographique ou du moment anthropologique de l'ethnologue, le moment ethnographique de l'ethnologie. C'est François Laplantine qui a utilisé ce terme-là dans un de ses ouvrages, en fait. Et je trouve qu'il a vraiment raison, en fait. C'est quoi ce moment? Et j'ai voulu revenir en fait sur deux moments qui m'est apparu lorsque j'ai déchiré cette première version de ce livre Amour pragmatique que j'avais écrit lors d'une première année. Je l'ai relu, ça n'allait pas. J'ai redéchiré, je sais pas, 50, 60, 70 pages qui m'énervaient, qui me semblaient vides, non affectés en fait. Et progressivement, dans les semaines qui ont suivi, évidemment, je me sentais mal. Je ne savais pas si je serais capable d'écrire ce livre.
et m'est apparu en fait des photos, des images en fait. Et donc c'est bien longtemps après le terrain, longtemps après, que m'est apparu, que j'ai repensé en mémoire, dans une expérience imaginaire, que j'ai revu le terrain autrement. Et donc le basculement anthropologique ne peut se passer à n'importe quel moment, sur le terrain, que lors de l'écriture, qu'à n'importe quel moment, ce n'est pas un moment particulier où ça se passe. En tout cas, pour moi, ça a été de me remémorer Maïsa, que vous ne connaissez pas, qui était la maman de Roberto, qui, lorsque j'étais chez elle, certains jours, elle nettoyait toute sa maison. Elle était absolument incroyablement férue de propreté dans la maison. Et à un moment donné, elle nettoyait tout dans une armoire avec des bibelots. Mais des bibelots dont mes regards n'avaient jamais regardé ça, parce que c'est des bibelots qui valaient rien, qui n'attiraient pas mon regard, enfin, des trucs que tu achètes à moins d'un euro dans n'importe quel bazar du monde entier. Et des petits trucs comme ça qu'elle avait plein sur une armoire. Et donc, je dis, mes yeux ne regardaient même pas ça. Et je ne sais pas pourquoi, m'est apparu à plusieurs reprises, en fait, ces bibelots dans la tête. Comme ça, j'étais ici dans mon bureau ou à Louvain, ça me revenait comme une sorte d'atavisme, cette image me revenait. Et je me suis rappelé qu'elle les époussetait fréquemment. Elle les nettoyait, elle les mettait sur la table, et donc elle me poussait en disant, non, tu ne travailles pas là parce que je nettoie mon armoire, etc. Et je me suis rappelé qu'elle m'avait un jour expliqué que c'était des, comment on appelle ça? Des objets, en fait, qui lui avaient été donnés par la famille, en fait. Et c'est à ce moment-là que je vais tout doucement associer, en fait, quelque chose. C'est que ces objets, en fait, étaient ce que Maurice Godelier, et je vais comprendre ça beaucoup plus tard, il a appelé avec ses barouillas, les fameux objets Quête-Magnier, il va appeler ça des nœuds d'imaginaire sur cette société. Et là, ce sont des nœuds d'imaginaire, mais des nœuds d'imaginaire quotidiens. Je veux dire, ce n'est pas les grands nœuds d'imaginaire de tout un peuple, de toute une société, c'est des petits nœuds d'imaginaire très localisés à un niveau, je dirais, domestique. Mais pour elle, c'était des objets qui pouvaient contenir dans une valise. J'ai compris par après où j'ai reconstruit l'histoire. Ils étaient petits parce que ce sont des migrants de sa famille qui revenaient et ils devaient distribuer à de multiples personnes. La valise fait 20 kilos, si tu négocies bien 30, donc tu ne peux pas en ramener. Et donc, chaque fois que tu avais une partie de sa famille, qu'elle avait peut-être vue une fois ou deux dans toute sa vie, des cousins, des tantes, dispersés dans les diasporas capverdiennes partout dans le monde, il y a une sorte de, comment on pourrait dire ça, de remémoration, une sorte d'objet qui rappelle, qui rappelle, nous avons été réunis à un moment donné dans notre vie, au moins une fois. Et les Capverdiens, la famille capverdienne se réunit, mais c'est rarissime en fait, une fois, deux fois, trois fois, à l'occasion des funérailles des parents, de mariages importants, etc. Sinon, ils sont toujours divisés. Et donc ces objets, c'était des cousins, des tantes. Et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais toute cette famille que je cherchais, toute cette famille à distance, en fait. Elle était devant moi, en permanence, en fait. Elle était au cœur, en fait, de la famille de Maïsa. Maïsa avait toute sa famille là. Mais je ne pouvais pas mettre de mots sur ces objets, parce que je n'avais pas accès à son imaginaire. Ces objets sont nuls, non avenus, insipides, tant que je ne fais pas parler la personne qui est la gardienne de ces objets. Et je vais démarrer l'ouvrage en expliquant que c'est en comprenant, en fait, comment pourrait-on dire ça, ce nœud d'imaginaire pour elle, en comprenant que ces objets ont du sens, que je vais démarrer l'ouvrage. Et j'associe toujours très librement dans ma tête, c'est que j'avais relu, à un moment donné, l'ouvrage de Kundera, comment on appelle ça, celui-là, c'était sur la légèreté. Insoutenable. L'insoutenable légèreté de l'être. Et à un moment donné, et c'est un ouvrage fabuleux, je trouve, il a d'incroyables associations où il explique quand cette jeune femme, qui est je crois, elle est peintre, etc., elle fouille son pays qui est en proie à la révolution, et elle arrive en Suisse avec, dans sa valise, l'essentiel de ce qu'elle a besoin pour vivre en migration. Et donc, on peut s'imaginer toutes sortes d'objets importants, des habits, pas du tout. Elle a pris un chapeau melon qui prend toute la place de sa valise. Coup de génie de l'écrivain. Je me rends compte, en me souvenant, en association, les objets en fait, de Maïsa et ce moment que je me rappelle de ce roman de Kundera, en fait, elle avait pris l'essentiel. Toute son histoire était là, rassemblée. Avec cet objet, elle était sûre de ne pas déraper en fait, dans la folie, en fait. C'est ce qu'il raconte. Et ce qui est fantastique,
c'est que ces objets, cet objet chez Maïsa comme chez Sabina, qui est l'héroïne de Kundera, finalement, leur avait été donné en fait, par des parents, et des parents parfois lointains. Elle, c'était son grand-père qui lui avait donné son chapeau melon, qui avait été responsable d'une ville, puis son père, elle lui avait donné à son départ, etc. Et donc, toute son histoire était rassemblée. Et donc, quand elle se retrouvait en France ou ailleurs, avoir le chapeau melon, elle a toute sa vie qui est rassemblée. Elle garde la cohérence de son identité, la stabilité d'une identité. Et d'ailleurs, lorsqu'elle rencontre de ses amants, elle met son chapeau. Et ses amants français ou autres ne la reconnaissent pas et la prennent comme quelqu'un de fantaisiste, ne comprennent pas en fait son attitude. Et finalement, elle rompt. C'est ça qui est absolument fabuleux en fait dans ce roman de Kundera. Et je vais comprendre que Maïsa m'avait introduit d'une certaine manière, de manière inconsciente. J'avais enregistré ces objets sans que j'en comprenne le sens. Et alors, c'est l'allusion que j'ai faite à la photo tout à l'heure, en fait, qui était au-dessus de la télévision dans son appartement, dans sa petite maison, pardon, dans un quartier populaire de la capitale. C'était une photo qu'elle avait au-dessus de la télévision. Je la voyais tous les jours, cette photo. Je ne l'avais jamais posé de question, parce que dans une maison, enfin, moi, j'étais locataire d'une chambre, je n'allais pas poser la question à la propriétaire, et cette photo, c'est qui, enfin, soit, et j'enquêtais pas sur elle. Donc, enfin... Mais un jour, je sais bien que je lui demande, en fait, comme ça, mais c'est qui les gens de la photo qui sont là au-dessus de ta télévision? Je la voyais, cette photo, tous les jours. Elle était comme ça, elle était marquée « you » en dessous, en anglais. Et puis, elle me dit « ah, c'est mon mari ». Je dis « ah bon, à l'époque, je ne savais pas qu'elle avait un mari ». Parce que personne, ni elle, ni ses enfants, m'avait dit qu'elle était mariée. Et comme au Cap-Vert, c'était courant que les gens ne soient pas mariés, je ne me fais pas de soucis avec ça. J'ai dit bon, et puis je lui demande mais c'est qui alors les autres personnes, et elle me dit c'est la femme de mon mari. Bon, déjà ça, je suis un peu surpris que la femme de son mari soit dans sa maison, et elle me dit ils sont aux États-Unis, et ça c'est la fille qu'ils ont eue, c'est la fille de la femme de mon mari avec mon mari. Ça m'étonne comme réponse, et puis elle me dit ça c'est un fils qui vient d'avoir un graduate aux États-Unis, et donc c'était la fête pour le diplôme qu'il avait eu, et elle a un autre fils, elle me dit, ça c'est le plus jeune, qui est parti aux États-Unis, et ils sont là-bas ensemble. Et cette photo, en fait, c'est le complément en fait, des objets. Mais cette photo, c'est autre chose, en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Cette photo va rentrer, pour moi, en dialogue profond avec moi-même. Pour elle, c'est pas les objets de la... comment on appelle cela? De la... De l'étagère de Maïsa, cette photo va rentrer dans une sorte de dialogue avec moi. C'est une mise en résonance, c'est-à-dire que je commence à être profondément troublé. Alors la famille capverdienne n'est pas égale à la famille occidentale, alors que j'avais cru que leur famille était très proche de la famille occidentale, elle n'avait rien à voir avec la complexité Omaha, des systèmes de parenté, d'une société coutumière. J'avais estimé que la société coutumière ayant disparu au Cap-Vert, j'étais dans une famille occidentalisée. Ce n'était pas vrai. Et à ce moment-là, je mets en résonance complètement deux imaginaires. C'est-à-dire que c'est le moment clé, à mon avis, du basculement dans l'anthropologie. C'est le moment où, quelque part, tu mets en résonance la même chose. Je regarde comme elle le même objet. Elle regarde sa photo, moi je regarde la photo. Et je comprends, en fait, que mon regard n'est pas égal à son regard. C'est ça que je veux dire par la mise en résonance. La mise en résonance de deux imaginaires qui n'ont rien au départ pour dialoguer, mais je comprends que je n'ai rien compris. Et pour moi, la mise en, je vais dire, en chantier, la mise en ethnographie, c'est le moment de la prise de conscience d'un gap. Tu piges qu'il y a une béance, qu'il y a une frontière, qu'il y a un immense chemin à parcourir, en fait. Et là, je comprends que je n'ai rien compris, en fait. Et je pense qu'à partir de là, dans cette compréhension que je n'ai rien compris, c'est la possibilité de rentrer dans le métier. À ce moment-là, je pige ça et je reviens alors dans ce bouquin sur tout ce cheminement à partir de la compréhension en fait du gap. Pour moi, le gap égale le passage alors plausible d'une frontière. Donc dans cette prise de conscience, on pourrait dire d'un écart entre deux mondes, je crois que c'est dans ce moment de la prise de conscience en fait que la conscience ethnographique
se met en route. Je dis, tant qu'on n'a pas vraiment vécu ça, ça me semble compliqué, en fait. Et il faut comprendre sur quoi ça porte. Il faut que les yeux s'ouvrent, en fait. Les yeux s'ouvrent à autre chose. Et sans doute, quand on débarquait dans une société tout autre, ethnographiquement, totalement, société coutumière, etc., c'était une évidence absolue, en fait. Mais encore fallait-il rentrer en matière, rentrer en dialogue, ce qui n'est pas forcément plus facile. Et ce que j'ai voulu expliquer par là, c'était répondre à une objection, en fait, de l'anthropologie, que certains épistémologues et philosophes nous ont adressée. C'est que la monographie n'est pas plausible. C'est que ça n'existe pas. On ne peut faire que de l'autobiographie. L'ethnologue ne fait que raconter lui-même à partir de ses propres catégories. Ça a été je dirais, des critiques de la discipline qui nous ont été adressées par les mouvements de déconstruction, surtout nord-américains, à partir d'une période, les années 90, 2000, voire 80, où il y a eu beaucoup de textes, en fait, qui ont démonté l'anthropologie. Hein, même Gerst, hein, notamment, en fait, a été, après avoir tenté dans le fameux texte avec les coqs balinés, de construire, en fait. Après, il a beaucoup déconstruit avec plein d'autres, etc., dont avec Mike Singleton, qui, pour lui, l'anthropologie en soi ne peut être qu'un auteur, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux au mieux qu'approcher les autres, et il a raison, à partir de tes propres catégories. Mais ça, je n'ai rien à dire à ça, c'est une évidence. Je crois qu'aujourd'hui, on ne discute plus de ça. On ne va pas vers l'autre à vide, je veux dire, c'est impossible. On ne peut rencontrer l'autre qu'à partir de son histoire. Mais je pense qu'à partir du moment où on fait de l'ethnologie, et à partir du moment où on prend conscience qu'on n'a aucune possibilité de rencontrer l'autre, à partir du moment d'interférence, où on prend conscience du désastre, de la complexité de l'épistémologie anthropologique mobilisée par Malinowski la première fois, enfin première fois entre guillemets bien sûr, c'est à partir de cette prise de conscience qu'on a tout à construire, que l'imaginaire de ces paysans Moussis, en fait, avec qui j'ai travaillé pendant des années, je n'en avais aucun accès. C'est-à-dire, ils me parlaient, je pouvais traduire les mots en morée, mais la surface sémantique des mots que je traduisais, le symbole que j'entendais renvoyait à quoi? À quelle image? À quel imaginaire? Aucun accès, tant qu'ils ne me le parlent pas, tant qu'ils ne me le disent pas. Et lorsqu'on commence à comprendre, en fait, cela, on commence à enquêter autrement, je crois. On commence à s'intéresser, en fait, autrement aux choses. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre avec Maïs, ou avec ces Capverdiens, à partir du moment où j'ai entrevu, en fait, que c'était extrêmement différent, que l'imaginaire n'avait rien à voir avec le mien. J'ai dû alors m'intéresser à l'imaginaire, m'intéresser à leurs histoires, m'intéresser à ce qu'ils avaient profondément dans la tête enfoui, sans que j'y aie accès, tant que ce ne soit pas dit, en fait. Donc il faut qu'ils disent, sinon je ne peux pas rentrer en dialogue. Mais je pense que l'ethnographie est plausible. Et je pense qu'au-delà, en fait, d'une autobiographie, on fait autre chose. On produit des monographies. Je suis profondément convaincu qu'à l'intérieur, je dirais, de tout ce qui peut être critique, que j'accepte profondément, je pense que des ethnologues qui ont des terrains solides, sérieux, ont produit des monographies absolument incroyables. Avec une qualité absolument hors norme. Pourquoi? Parce que de manière consciente ou inconsciente, ils avaient franchi une frontière. Et ils parlaient d'un ailleurs, en fait, qui était celui de des interlocuteurs avec qui ils vivaient. De manière parfois inconsciente, mais le plus souvent conscient. Les ethnologues professionnels sont très bien conscients de quoi je parle, en fait. Et ils ne sont plus dans un narcissisme perdu, d'eux-mêmes se racontant, perdu dans des catégories non déconstruites. Mais ok, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on est capable, je crois, de comprendre, en fait, ce problème qu'il nous faut franchir pour pratiquer le métier. Et à partir de là, je pense qu'on est capable de produire des données robustes. C'est pour ça que des monographies résistent au temps, en fait. Que les monographies, plus que les théories, je crois, résistent. Certaines monographies, on les connaît toutes. Je ne vais pas faire une énumération de ces monographies classiques, un siècle après, sont toujours là, on les relit encore, et je pense qu'il y a une raison, en fait, à cela, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et alors, je voudrais quand même faire juste un mot sur une autre partie de ce petit livre, en fait, hein, qui fait 150 pages. Pour la première fois, j'ai fait un livre bref, et j'espère audible. C'est qu'alors, pour moi, l'anthropologie inclut dans le métier, dans la posture ethnographique, dans ce moment ethnographique qui, pour moi, va de la pensée du terrain
à la construction de l'objet, au terrain lui-même, à l'observation participante, à la construction des cahiers, à l'écriture, à la relecture, etc. Pour moi, ça, c'est tout le processus ethnographique. Ce n'est pas uniquement une chose, c'est l'ensemble, en fait. Et quelque chose qu'on a peut-être sous-estimé, c'est l'importance des cahiers. Mais les cahiers peuvent être, évidemment, aujourd'hui, la photographie ou le film, etc. Ce n'est pas uniquement l'écriture classique, etc. À mon avis, est indissociable de la posture ethnographique. C'est la possibilité incroyable, en fait, d'être là sans être là dans le métier, enfin, dans l'objet, dans ce terrain. Et c'est cette posture absolument d'une complexité sans fin, presque indéfendable éthiquement, je dirais, qu'est cet ami, en fait, qui est présent, qui vous raconte, qui vous observe, qui est vraiment un ami profond, qui parfois est capable, comme vous êtes capable de le sauver, il serait capable de faire tout pour vous aussi. Et c'est dans cette incroyable profonde, dans ce profond lien social, je crois qu'il n'est pas fin, jamais. Parce que l'anthropologue peut tomber amoureux de son terrain lorsqu'il commence à comprendre son terrain. C'est le moment le plus dangereux. C'est le moment où il commence, où il sent le gap et il passe au-dessus. Il passe la frontière et il rentre dedans. C'est un moment difficile. Je dirais que c'est un moment de rupture du cadre, comme diraient les psychanalystes, où finalement le transfert devient important et tu peux tomber amoureux de ton terrain. Je pense que le cahier de terrain et cette posture en fait, qu'on dit peut-être quotidienne d'écrire, ne pas écrire quand tu observes, l'observation c'est vivre avec les gens, mais prendre du temps à des moments où tu te retrouves tout seul. Et d'écrire de manière quotidienne, ou de réfléchir à tes photos, tout ce que tu veux, ou à tes films, sont des moments de prise de distance par rapport à ton objet, à cette vie à 100 à l'heure, avec tes gens, avec qui tu es, où tu peux être dedans, tu peux être dans les rituels, dans les cérémonies, dans des soirées, dans des danses, dans tout ce que tu veux. Mais tu as toujours ce moment où tu dois rester clairvoyant, en fait. Tu es dedans, mais en même temps, tu as un regard de lucidité. Tu peux jamais être dedans à fond, sinon tu n'es plus ethnologue, sinon tu t'es dilué dans la société. Nous, au labo, on dit souvent, il est perdu. Être perdu, ça veut dire disparaître dans le décor, ça veut dire qu'il n'observe plus, qu'il se sent bien là-bas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu peux décider que c'est là que ta vie peut se faire pour un moment. Mais alors, tu n'es plus vraiment ethnologue. Ethnologue, c'est la personne qui constamment a mis au point une réflexivité en fait, et la réflexivité, et donc cette conscience réflexive de par le cahier, de par, enfin le cahier c'est une métaphore, hein, je crois que j'ai été clair maintenant, permet je crois de ne pas tout à fait se perdre. Et donc il y a quand même une posture beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Je pense qu'elle s'est établie dans le feu de l'action des ethnologues sur le terrain, qui l'ont mis au point au fur et à mesure, mais je pense qu'elle est infiniment plus complexe qu'on ne l'imagine, par à la fois cette possibilité de franchir une frontière, comme je viens de l'expliquer, dans l'interférence et dans le passage, mais aussi dans l'incroyable, je crois, maintien d'une clairvoyance dans l'implication à fond, dans une réflexivité entretenue dans l'écriture. Une écriture qui fait qu'on est à deux, avec le cahier et toi-même. Et le cahier et toi, tu peux avoir 15 personnes autour de toi perdues, ou tu es au milieu du peuple élu et du groupe élu avec lequel tu travailles. À un moment donné, tu te recentres sur toi-même et tu reprends distance. Et ça, c'est, je crois, l'incroyable posture de l'ethnographe. Et je pense que si on ne l'a jamais vraiment pratiqué, on n'imagine pas que c'est un métier complexe, à part entière, qui ne s'enseigne pas comme cela en 10 minutes. Il faut le pratiquer longuement pour réussir à le maîtriser.